de mon enfance, j'allais à l'école juste à côté. C'est donc l'église dans laquelle on est venu faire nos différents sacrements. Donc, probablement, j'étais baptisé ici, j'ai fait ma première communion puis ma confirmation. Je l'ai fréquenté, je venais le dimanche, je venais des fois même la semaine parce que mon grand-père, je sais qu'il venait tous les matins à l'église. Donc, il y a plein de très beaux souvenirs rattachés à mon grand-père, à ce lieu-là, parce que moi, j'y ai vécu, puis pour ce qui était aussi en lien avec ma famille. Elle représente les souvenirs jour après jour, fête après fête, le mariage et aussi les défunts. Il va falloir qu'il fasse un examen de conscience. C'est peut-être ça qui a été le bruit de l'Église. Les personnes d'hier, ce n'est pas les personnes d'aujourd'hui. Puis eux autres, ils subissent des conséquences. Ce n'est pas à nous à juger, c'est à Dieu seul. Dieu est miséricorde. C'est à nous tous ensemble de lever les manches pour travailler à faire quelque chose de merveilleux dans notre quartier. Mais comment garder un certain esprit de ce que c'était, un lieu collectif, un lieu de rassemblement, un lieu peut-être de culte, de prière, où il y a encore une collectivité qui prend en charge ce lieu-là? Bien, je leur dis que je pense que tout le monde est intéressé à garder les belles choses là où elles sont. Même les embellir en les mettant en vedette. C'est ça à quoi je pense quand je pense à l'orgue, là. Le faire parler, le faire le montrer. Alors, je pense que c'est sûr qu'il y a une peur. Alors, cette crainte-là de voir que toute pensée de modification, de transformation d'un lieu sacré comme une église amène nécessairement une destruction. En partie, c'est vrai. Mais c'est pas le fondement de la discussion, c'est pas le fondement de l'intention des gens qui ont participé aux ateliers. Au contraire, ils veulent mettre en valeur. C'est ça qu'il va avoir. On va avoir à modifier le lieu. On peut pas le conserver tel quel. Alors cette crainte-là, c'est la peur d'un changement qui soit négatif. Mais le changement peut être positif. Un centre d'escalade dans une église, j'y avais jamais pensé. Les gens plus jeunes, pour eux, ça paraissait peut-être plus évident. Puis des personnes pour qui une église, c'est traditionnellement un lieu où on vient se recueillir et puis on assiste à des mariages et des enterrements. Pour eux, c'était peut-être plus surprenant, puis peut-être au départ, peut-être plus réticent. Et en même temps, les gens, ils ne voient pas très bien c'est quoi un centre d'escalade. On n'a pas besoin de tout recouvrir. On peut garder des vitraux, on peut garder des éléments architecturaux. Ça a pris simplement la soirée pour qu'ils réalisent que effectivement, ça serait une belle activité, ce serait une belle réalisation dans l'église. On veut arriver à des solutions, que ça soit agréable, que ça soit utile aussi. Que ce soit pas juste décoratif, que ça soit utile. Au début, quand il était question, la première chose qui m'a heurté en tant que vieux fond de catholique, là, même si je suis plus pratiquant, j'ai encore ça, on est éduqué comme ça, c'était la soirée de l'Halloween. Alors, pour pas me faire de la peine moi-même dans mon coin, je suis venu. Je trouvais qu'il faut voir. Alors, je suis allé. Puis là, évidemment, je m'étais arrangé avec mon collègue Sylvain, qui est organiste. J'ai dit, Sylvain, trouve-toi des partitions, des trucs à la mode, là, Superman et tout ça. On s'est amusé. Alors ça a comme brisé un peu ma crainte. J'ai compris que les valeurs auxquelles j'étais attaché étaient en voie de transformation. Et il fallait élargir la perspective du sacré, pas simplement être dans le sacré religieux, mais dans le sacré de la vie. Toute la vie, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est sacré, dans le fond. Je veux dire, on y donne notre vie, on y donne notre amour, on donne tout ce qu'on peut pour ce qu'on vit. Alors, c'est ça qui est important. Donc, l'Halloween faisait partie, moi, pour moi, de ces choses externes à l'Église. Et là, comme on l'a introduit de force, alors il a fallu l'accepter, et puis après l'accepter, j'ai digéré. On aime surtout l'Église parce que nous autres, on vient danser sur le parvis de l'Église. Ça m'inspire, c'est la tranquillité, c'est le recueillement. J'aime venir dans les églises. Mon père, ma famille m'a transmis ça. Puis je me dis qu'il faut prendre soin des choses que nos aïeuls nous ont laissées. Moi, j'ai déjà vécu en face d'une église sur la rue Holt. Et puis c'était l'église Saint-Lux. Et finalement, ils ont démoli cette église-là. Il y a un promoteur qui a acheté, mais j'aurais bien voulu qu'on ne la démolisse pas. Et puis, je l'ai vu s'effondrer en face de chez moi, en face de... Puis bon, je veux dire, si on les perd toutes,
là, je trouve ça triste. Je trouve que les citoyens doivent un petit peu quand même s'engager pour essayer de garder. J'ai toujours rêvé d'avoir une église, de danser dans une église. Il y a définitivement un côté mystique dans mon approche et dans mon travail. Je me suis beaucoup intéressée à la théologie, aux sciences occultes et à un paquet de trucs qui tournent quand même autour des religions. Les bâtisses religieuses m'ont toujours beaucoup intéressée. Tu vois, juste architecturalement, je trouve ça des ouvrages quand même, parce que c'est souvent assez imposant, etc. Tu vois la job qu'il y a là-dedans, c'est les vitraux, les choses comme ça, le travail avec la lumière. Puis quand tu fais de l'image, tu sais très bien que tout ce qui est modelé, image, lumière, c'est hyper important. Je vois ça comme si c'est la nature qui reprend ses droits. C'est comme si, bon oui, les églises ont été construites d'abord pour être des lieux de prière et de rassemblement. Moi, malheureusement, dans le cadre d'une seule religion, qui est celle de la religion catholique romaine, on a été quand même beaucoup dominés ici au Québec. J'ai découvert, à vrai dire, l'historique, le passif religieux du Québec, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pensais pas que c'était aussi récent que l'Église s'était séparée de l'État. C'est de voir justement qu'il y avait des initiatives pour se réapproprier ce patrimoine à des fins artistiques, culturelles ou citoyennes. Je dis, ah, c'est vraiment génial quoi, comme démarche. Parce que c'est clair que tu ne peux pas comme nier toute cette dimension spirituelle qu'il y a ici. Ce serait comme, ça se respecte aussi, mais au-delà de tout dogme, vraiment. C'est... Je ne m'identifie pas en fait à une religion particulière. Je m'intéresse plutôt au concept. C'est intéressant de voir comment les choses peuvent se mélanger et se confondre à un moment donné, puis voir comment l'humain va réussir à gérer ce patrimoine spirituel, architectural, sont à la base qui étaient rendus des espaces de dôme, alors qu'ils ont perdu peut-être aussi dans une certaine mesure leur dimension initiale qui était celle de la communauté. C'est une histoire de croyance ici. Là. Fait que c'est pour ça que moi, mes croyances ne vont pas dans cette direction-là. Je n'aime pas avoir des croyances, je préfère avoir une expérience. Quand il a été question de réimaginer sa marque, les premières objections qui ont émergé, c'était l'idée des condos, des fameux condos. Et on ne veut pas de condos ici, on ne veut pas de condos, ça appartient à la communauté, il faut que ça reste à la communauté. Et j'ai l'impression que les 3 semaines de résidence ont vraiment permis de désamorcer ça. J'ai eu l'impression de contribuer à redéfinir un rêve de société. En rêvant un espace comme celui-ci, qui à l'époque avait des fonctions, qui avait un rôle, qui avait une importance pour la communauté, qui aujourd'hui est un lieu déserté, qui est un lieu vide, qui brille par son absence finalement. Pour moi, les églises, les temples, c'est l'endroit où ce qu'on peut se permettre de se rassembler et de discuter, de se recueillir sur les questions existentielles ou les questions de direction dans une société. Pour moi, c'est comme un flambeau qui éclaire, parce qu'on sait qu'on est dans une société où l'individualisme, le matérialisme a pris beaucoup d'ampleur, et de ramener les gens aux vraies valeurs, puis se rappeler le sens du sacré dans la vie sans que ça soit une religion dogmatique, mais ces espaces-là sont merveilleux pour se rassembler. On a besoin de se rassembler. On est divisé présentement dans une société qui, selon mon point de vue, met l'emphase sur un peu la distraction et la division. Comme ça, c'est plus facile pour être manipulé. Et ce serait de leur donner un nouveau mandat, puis de se rassembler à nouveau, célébrer la vie. On avait amplement de temps cette fois-ci. Ouais. Ça, c'est pas souvent le cas. Yeah. Mais c'est super intense en même temps. C'est super intense, mais oui. Normalement, c'est juste qu'on limite les conversations plus. On se dit, bon, on a 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 jours? Dans 2 jours, on peut faire poser telle question, on identifie très étroitement. Cette fois-ci, on avait 15 jours. 3 semaines, puis on va parler des valeurs, puis ça mène à rien. Quand est-ce qu'on parle d'argent, c'est l'argent qui compte, etc. Et je dirais que le processus a réussi à désamorcer cette fixation sur l'argent, et que c'est l'argent qui mène tout. Et je l'espère, ça a aussi mis de l'avant l'importance de baser les projets, surtout les projets de société, sur des valeurs. Je pense qu'au 21e siècle, avec toute l'information qu'on a et tous les apprentissages qu'on peut en tirer de l'histoire,
on est dû pour se rendre compte que s'il n'y a pas de valeur, il y a beau avoir de l'argent, mais ça ne nous mène nulle part en tant que société. Alors, il serait grand temps d'arrêter de tourner et de jouer au yo-yo inutilement pour rien quand on peut faire quelque chose pour la communauté. Alors, c'est avec l'amour qu'on réussit et c'est avec l'amour qu'on grandit et que les jeunes de demain seront eux aussi des personnes âgées comme moi je suis à l'heure actuelle. C'est, je veux juste préserver le bâtiment pour que ça puisse servir à le plus de monde possible. Et répondre quand même à un besoin qui se rapproche de ce pourquoi elles ont été construites au départ, c'est-à-dire rassembler les gens, élever l'esprit. Donc pour moi, c'est sûr qu'on devrait faire des centres d'artistes avec toutes les églises. Mais ça, c'est mon point de vue, hein?